avant de devenir le site de l'histoire légendaire. Lourdes était une localité stratégique dans le sud-ouest de la France, aux portes des Pyrénées. Cette région, riche en ressources naturelles et marquée par des routes commerciales importantes, a toujours été un point de passage entre les peuples. Lourdes sous l'Antiquité. L'emplacement de Lourdes était connu dès l'époque romaine comme un lieu de passage vers la chaîne des Pyrénées. La ville servait de relais pour le commerce et les expéditions militaires. Il est probable qu'un petit oppidum, fortification, existait déjà à l'époque gallo-romaine. L'arrivée des Sarrasins, 8e siècle. Avec la progression rapide de l'islam depuis l'Arabie jusqu'à l'Espagne au 8e siècle, les troupes sarrasines, musulmanes, traversent les Pyrénées. Certaines régions du sud de la France, dont Lourdes, tombent sous leur contrôle. Ces incursions marquent le début de la légende de Mira, où Lourdes devient un bastion musulman. Le rôle de Charlemagne et la légende de Mira. Contexte historique. Charlemagne et la Reconquista. Charlemagne, 742-814, roi des Francs et futur empereur d'Occident, consacre une partie de son règne à sécuriser ses frontières. Ses campagnes visent à repousser les Sarrasins dans le sud-ouest de la France et à rétablir des territoires chrétiens. Lourdes, occupée par les Sarrasins, est un point stratégique sur la route des Pyrénées, entre la France chrétienne et l'Espagne musulmane. La légende du siège de Lourdes. L'histoire de Mira et Charlemagne est transmise par des récits oraux et des chroniques médiévales semi-légendaires. Voici les détails. Le siège par Charlemagne. Charlemagne aurait dirigé une campagne contre Lourdes vers 778, certaines sources mentionnent 778 comme l'année de la désastreuse bataille de Roncevaux, ce qui correspondrait au contexte géographique. Les troupes franques encerclent la ville, mais la forteresse résiste. Le chef sarrasin, Mira, un guerrier redoutable, refuse de céder. Un acte de foi. La colombe et l'évêque. Après un long siège, la faim et l'épuisement commencent à affecter les défenseurs. Selon la légende, une colombe, portant un rameau d'olivier ou vue comme un signe de paix, apparaît au-dessus de Lourdes. L'évêque du Puy-en-Velay, qui accompagne Charlemagne, interprète cet événement comme une manifestation divine. Il propose à Mira de se rendre non à Charlemagne, mais à la Vierge Marie, la « Reine du Ciel ». La conversion de Mira. Mira accepte cette offre, non comme un acte de défaite, mais comme un acte de foi. Impressionné par la proposition spirituelle, il renonce à son commandement, se convertit au christianisme et est baptisé sous le nom de Lorus. Cet événement marque la libération de Lourdes et son retour à la chrétienté. Symbolisme de l'histoire. La colombe symbolise la paix, mais aussi l'intervention divine dans un moment critique. La conversion de Mira illustre la victoire spirituelle du christianisme sur les forces adverses, un thème récurrent dans la propagande médiévale. Les Templiers et Lourdes. 1. Les Templiers dans les Pyrénées. Les Templiers, ordre fondé en 1119, avaient pour mission principale de protéger les pèlerins en route vers les lieux saints. Les Pyrénées, point de passage stratégique vers Saint-Jacques-de-Compostelle, étaient un endroit de choix pour leurs activités. Présence des Templiers dans la région. Les Templiers possédaient des commanderies dans le sud-ouest de la France, notamment à Argelès-Gazost et Gavarnie, à proximité de Lourdes. Ils protégeaient les routes et participaient activement à la sécurisation des régions montagneuses, souvent infestées de bandits ou d'envahisseurs. Hypothèse sur Lourdes, bien que Lourdes ne soit pas historiquement attestée comme une base templière directe, des récits associent les Templiers à des lieux de dévotion mariale, comme ce fut le cas plus tard pour Lourdes. Leur vénération de la Vierge Marie pourrait avoir un écho particulier dans cette région. 2. Les mystères et les trésors. Les Templiers sont célèbres pour les mythes qui entourent leur dissolution brutale au XIe siècle. Certaines théories suggèrent qu'ils auraient caché des reliques ou des trésors dans les Pyrénées. Lourdes comme cachette? Les grottes de Lourdes, en particulier celle où Bernadette Soubirous a vu la Vierge en 1858, auraient pu servir de lieu secret pour les Templiers. B.
Bien qu'aucune preuve archéologique ne confirme cela, la localisation isolée et mystique de Lourdes alimente ces spéculations. Lourdes, une continuité spirituelle. Un sanctuaire lié à Marie. La dévotion mariale à Lourdes commence véritablement en 1858 avec les apparitions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous. Cependant, certains voient une continuité spirituelle remontant à l'époque médiévale, où Lourdes aurait déjà été un lieu marqué par la foi chrétienne et par des événements extraordinaires, comme la conversion de Mira. Deux thèmes récurrents. Les chevaliers et la foi, et l'idée de dévotion et de protection, chère aux Templiers, semblent se transmettre dans l'histoire religieuse de Lourdes. Une légende toujours vivante, la colombe et la paix continuent d'être des symboles puissants pour Lourdes, un lieu où des millions de pèlerins viennent chercher la réconciliation spirituelle. V. Les trésors de l'imaginaire templier. Enfin, les Templiers, souvent associés à des trésors légendaires, comme le Saint Graal, continuent d'alimenter les théories sur Lourdes. Les Pyrénées sont parsemées de grottes, châteaux et lieux isolés qui pourraient, dans l'imaginaire populaire, abriter des secrets ou des reliques. Lourdes, avec sa grotte célèbre et son histoire mystique, reste un candidat idéal pour ces récits. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos. Les Templiers dans la région de Lourdes. Commanderie proche de Lourdes. Les Templiers ont établi des bases dans plusieurs endroits clés des Pyrénées, non loin de Lourdes. Voici quelques exemples notables. Argelès-Gazost, à environ 13 km de Lourdes. Une commanderie templière aurait existé dans cette ville située au pied des montagnes. Bien qu'il reste peu de traces matérielles, des archives évoquent leur présence dans cette zone stratégique. Gavarny, à environ 50 km de Lourdes. Un site connu pour ses paysages spectaculaires, mais aussi pour son rôle dans le passage des Pyrénées. Les Templiers auraient utilisé ce secteur pour surveiller les routes reliant la France à l'Espagne. Saint-Pé-de-Bigorre, environ 10 km de Lourdes. Une autre localité où les Templiers auraient eu des activités. Proche de Lourdes, ce village servait de halte pour les pèlerins. Route des pèlerins et protection. Lourdes, bien que non mentionnée directement comme une commanderie templière, se trouve sur un axe essentiel pour les pèlerins. Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Lourdes était une étape naturelle pour les pèlerins se rendant en Espagne. Les Templiers jouaient un rôle de protecteur sur ces routes, veillant à la sécurité des voyageurs face aux bandits ou aux incursions. Le pont de l'hôpital à Argelès-Gazost. Les Templiers auraient contribué à construire ou entretenir des infrastructures telles que des ponts et des hospices pour faciliter le passage des pèlerins. Légende templière autour de Lourdes. L'histoire médiévale, entrelacée de mystères, a donné naissance à plusieurs récits qui associent les Templiers à Lourdes ou à ses environs. Les trésors cachés dans les Pyrénées. La dissolution brutale des Templiers au XIVe siècle, 1312, par le roi Philippe IV le Bel a nourri des mythes sur des trésors cachés. Les Pyrénées comme refuge. Les montagnes isolées des Pyrénées étaient idéales pour dissimuler des biens précieux ou des archives. Certains affirment que des grottes près de Lourdes auraient pu servir de cachette. Lourdes et la grotte sacrée. La fameuse grotte de Massabielle, où Bernadette Soubirous eut ses apparitions en 1858, est parfois citée dans les récits populaires comme un lieu que les Templiers auraient utilisé pour des rituels ou comme cachette. Reliques ou objets sacrés. Les Templiers, souvent liés à des reliques célèbres comme le Saint Graal ou des fragments de la croix, auraient pu déposer certains de ces objets dans des sanctuaires secrets. Bien que cela reste spéculatif, Lourdes, en tant que lieu spirituel, attire ce genre de théorie. Je suis de très près le trésor des Templiers voir les vidéos sur le sujet Nouvelle-Écosse. Hypothèses et connexions spirituelles. La dévotion mariale des Templiers. Les Templiers avaient une vénération particulière pour la Vierge Marie, qu'ils considéraient comme une protectrice spirituelle. Cette dévotion se reflète dans leur architecture et leurs rites. Les églises templières étaient souvent dédiées à Marie, et leur chapelle portait son nom. Lourdes, devenue un haut lieu de pèlerinage marial,
pourrait symboliquement s'inscrire dans cette tradition spirituelle. Lourdes, lieu de passage et d'interaction. Même sans commanderie directe à Lourdes, il est plausible que les Templiers aient traversé ou utilisé la ville comme halte. Pour leur mission. Protéger les pèlerins ou surveiller les routes. Pour leur spiritualité. La région, marquée par des paysages impressionnants, pouvait inspirer une dévotion particulière. Traces potentielles à explorer. Si des preuves matérielles directes manquent, certaines pistes méritent une exploration plus approfondie pour établir un lien entre Lourdes et les Templiers. Structure médiévale. Les fortifications de Lourdes pourraient avoir été influencées par les Templiers, même indirectement. Des églises anciennes, parfois reconstruites, pourraient porter des marques templières, croix pâtée, symbole Mario, etc. Archives locales. Les registres anciens des localités proches, comme Argelès-Gazost ou Saint-Pé-de-Bigorre, pourraient contenir des mentions d'activités templières autour de Lourdes. Légendes et traditions orales. Les récits locaux transmettent souvent des fragments de vérité historique. Interroger les traditions pyrénéennes pourrait révéler des liens inattendus. Un héritage mystérieux mais inspirant. Bien que Lourdes ne soit pas identifiée comme un bastion majeur des Templiers, sa proximité avec des sites où ils étaient actifs et sa situation stratégique en font un lieu où leur présence semble probable, même si elle n'est pas documentée de façon explicite. Les hypothèses sur des trésors cachés ou des liens spirituels, bien que spéculatives, ajoutent une dimension fascinante à l'histoire de Lourdes. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos. Les trésors cachés des Templiers dans les Pyrénées. Pourquoi les Pyrénées ? Les Pyrénées ont toujours été considérées comme un refuge naturel idéal pour cacher des trésors ou des objets précieux, notamment pour les Templiers. Ces montagnes offrent des grottes, des passages isolés et des zones difficilement accessibles. Dissolution de l'ordre en 1312. Après l'arrestation massive des Templiers ordonnée par Philippe le Bel et la dissolution de l'ordre par le pape Clément V, les chevaliers qui survécurent auraient cherché à mettre leurs richesses et reliques en sécurité. Les Pyrénées comme sanctuaire. Les Templiers avaient une forte présence dans le sud-ouest de la France. Avec des commanderies à proximité, Argelès-Gazost, Saint-Pé-de-Bigorre, il est plausible qu'ils aient utilisé les montagnes environnantes pour dissimuler leurs biens. Les grottes de Lourdes et des environs. La célèbre grotte de Massabielle, lieu des apparitions de la Vierge Marie en 1858, est parfois mentionnée dans des récits populaires comme une possible cachette. Bien que cela ne repose sur aucune preuve, d'autres grottes de la région pourraient être liées aux légendes templières. La grotte de Bétharam. Située à environ 15 km de Lourdes, cette immense grotte, explorée pour ses richesses naturelles, est aussi citée comme un potentiel refuge pour des chevaliers cherchant à cacher des objets. Les grottes isolées dans les montagnes. Des explorateurs et amateurs d'histoire mentionnent régulièrement la présence de passages souterrains ou de cavernes mystérieuses dans les Pyrénées, susceptibles d'avoir abrité des Templiers en fuite. Symbole Templier dans les Pyrénées et à Lourdes. La croix pâtée. La croix templière, reconnaissable par ses bras évasés, est souvent associée à des lieux où les chevaliers ont séjourné. Bien que peu de traces tangibles aient été retrouvées à Lourdes, des villages proches affichent des éléments architecturaux ou des gravures qui pourraient être liées à l'ordre. Églises de la région. Les églises anciennes des Pyrénées, comme celle de Saint-Pé-de-Bigorre, contiennent des motifs qui pourraient évoquer des influences templières. Croix isolée. Certaines croix de pierre érigées près de chemins de pèlerinage rappellent la symbolique templière, bien que leur origine soit difficile à prouver. L'héritage marial des Templiers. Les Templiers vouaient un culte particulier à la Vierge Marie, symbole de pureté et de protection divine. Lourdes, devenue le sanctuaire marial mondialement connu après les apparitions de 1858, entretient indirectement un lien spirituel avec cette tradition. Les récits populaires associent parfois la dévotion templière à Marie avec le développement spirituel ultérieur de Lourdes.
Certaines personnes spéculent que Lourdes aurait pu être un lieu de culte marial discret avant même les apparitions modernes. Légende et théories mystiques. Reliques sacrées et Lourdes. Les Templiers sont souvent liés à des reliques mythiques, comme le Saint Graal ou des morceaux de la croix du Christ. Certaines théories, bien qu'imaginatives, suggèrent que ces reliques pourraient avoir transité par Lourdes ou ses environs. Le Saint Graal dans les Pyrénées. Les montagnes pyrénéennes sont souvent citées dans les récits du Graal, notamment en lien avec des textes arthuriens. Lourdes, par sa position stratégique, aurait pu servir d'étape dans le transport ou la dissimulation de ces objets sacrés. La croix ou des manuscrits secrets. Certains amateurs de mystère avancent que les Templiers auraient caché des documents ou des fragments de la croix dans des grottes près de Lourdes. Les apparitions de Lourdes et les Templiers. Un récit intéressant relie la grotte de Massabielle, lieu des apparitions mariales en 1858, à des influences templières. Bien qu'il s'agisse d'un parallèle plutôt spirituel, certaines théories suggèrent que la grotte aurait pu être un ancien lieu sacré fréquenté par des Templiers pour leurs prières. Les apparitions modernes pourraient symboliser la continuité d'une dévotion spirituelle mariale enracinée dans le passé médiéval. Enquête archéologique et historique. Pour valider ces théories ou explorer davantage les liens entre les Templiers et Lourdes, plusieurs pistes méritent d'être suivies. Études archéologiques locales. Les fouilles dans les environs de Lourdes pourraient révéler des traces de structures ou de caches associées aux Templiers. Jusqu'à présent, peu de travaux ont été effectués spécifiquement pour cela. Exploration des archives. Les archives locales de Lourdes et des villages proches, comme Saint-Pé-de-Bigorre, pourraient contenir des indices sur la présence templière ou sur des légendes médiévales liées à des trésors. Analyse des symboles. Un examen approfondi des églises, chapelles ou monuments médiévaux autour de Lourdes pourrait permettre d'identifier des marques laissées par les Templiers, telles que des croix pâtées ou des inscriptions spécifiques. Lourdes et ses environs nourrissent des récits fascinants liant les Templiers à des trésors cachés, des reliques sacrées et une tradition spirituelle mariale. Si l'absence de preuves tangibles limite notre certitude historique, les légendes et symboles renforcent l'idée que cette région, riche en mysticisme et en foi, a pu jouer un rôle dans l'histoire des chevaliers du temple. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos.